fait mal à regarder les images, dimanche fin d'après-midi. Au-delà du football, c'est ce que j'ai dit à la fin dans le vestiaire pour ceux qui étaient là, c'est l'attitude qui a fait la différence, c'est l'attitude dans l'engagement. Aujourd'hui, techniquement, désolé Nico, j'en ai parlé juste avant, Nico et Dylan ont été les plus catastrophiques de l'équipe, je pense. Dylan, 14 ballons joués, je crois qu'il en perd 11 offensivement. Il récupère tout le reste. Nicolas a été actif sur tous les autres ballons, il fait une passe D. L'idée et l'attitude qu'ils ont eu tous les deux à finir dépouillés sur le terrain, c'est cette attitude que nous, on recherche et qu'on voulait. Et celle que vous n'avez pas eue qui vous a empêché de gagner. Parce que quand le football n'est pas là, la seule chose qui peut primer, c'est l'attitude et le comportement que vous allez avoir pour aller gagner. Ce week-end, il n'y avait aucun des deux. On en est arrivé à perdre le match, c'est ce qui est logique, complètement logique. Que ça nous serve de leçon. Il n'y a pas mort d'homme, pas alarmant, c'est juste que ça nous serve de leçon. Ok les gars? Ils étaient beaucoup plus combatifs que nous, beaucoup plus présents sur le terrain, on l'a payé, hein, on avait beaucoup moins de réalisme pour nous devant les buts. Je pense que ça va leur faire du bien cette défaite, ils vont réfléchir un peu plus à leur combativité et leur envie sur le terrain. Alors, on voulait faire une petite punition, les faire courir tout ça, mais en vrai, courir pour courir, ça n'a pas d'utilité. Donc il va y avoir du physique mais avec du ballon. Donc ils vont courir un peu plus que d'habitude ce soir. Là, ils ont surtout intérêt d'être à 200% ce soir à l'entraînement et jeudi aussi parce que sinon je pense qu'il y en a, ils vont pas jouer dimanche. T'es devenu un peu technique toi avec tes nouvelles. C'est bien ça. J'ai enfin des chaussures blanches. Ça fait longtemps. Pour bien jouer dans la boue, c'est bien. C'est ça, ouais. Bah ça va, on est sur synthé. Un tricheur, wesh. Ouais, Georges. Georges, je sais pas où t'es parti, mais. Ah, tu vois, c'est ça, c'est la... le jeu sans ballon. Arrête de faire des passes, wesh. Attends, je fais la ligne. Mais non, mais c'est pas le but là. Stop. Moi j'aime ça. La passe à l'autre. Wesh. Wesh. Hachem, ça dirait un PNJ, frère. Hachem, tu mettais pas. Voilà, Hachem, c'est la tupine. Hachem, change ta coupe. Wesh. Eh, Hachem, va falloir commencer à mettre des fers, même sur synthé. Hein. Ah, on me déconcentre. Non, Hachem, c'est trop. Hachem, c'est trop. Mais j'étais bourré ou quoi? Mais c'est une machine à laver. C'est dur le football. Mais comment il regarde là-bas, toi t'es là? Il y a un moment il est resté statique comme. Je vois que le cardio c'est pas facile, Chelsea. C'est pas facile, surtout quand on passe deuxième. Oh là là là, qu'est-ce que c'est dur. Ouais. Mais bon, ouais, c'est pas grave. On va s'entraîner encore plus dur. Fin de l'année, on refait le jeu, il en touche aucune. Le défi est accepté ou pas? Pas de problème. De toute façon, la deuxième route, hein. Deuxième round, James. Non, deuxième passage. Encore. C'est un exercice de torture, ce truc. Je déteste. Là, tu prends cher pour les autres qui ont perdu ce dimanche. C'est ça, exactement. Déjà, qu'on joue pas, en plus, on se fait punir. Mais c'est l'esprit d'équipe, c'est ça, une équipe. On souffre ensemble. Mon cul, ouais. Attends, parce qu'il y a mon grand-père contre ma grand-mère, là, c'est sympa. Viens. Ah, tu vois. Même lui, il gère pas son corps, ça va trop vite pour son corps. Wow. Ah mais, c'est pas bien ce qu'il a fait. Il demande la balle, il se barre. Moi, c'est la seule fois que t'étais présent sur le terrain. Pour une fois, t'étais bien placé. Dimanche, non, je t'ai pas vu dimanche, t'étais où? Dimanche. Je t'ai vu prendre un café avec un mec sur le téco à un moment donné. Mais moi, j'ai marqué dimanche, Maxi. Excuse-moi. Comment il peut dire que j'étais pas là alors que c'est moi qui ai marqué? Non, mais gros, l'autre, tu mets une frappe, t'es devant le but tout seul. Heureusement que t'as marqué. T'aurais pas marqué, tu serais déjà en train de faire des tours de terrain là. Ça va, viens jouer à notre place. Allez, le terrain, c'est le terrain, il est catastrophique. Il est là, il donne des consignes, tout ça. Dépêche-toi, allez, va aller voir le terrain. Mais c'est vrai que la prochaine fois que t'es convoqué, c'est de venir au match. Le dernier pour le plaisir. Non, moi je suis présent, vous inquiétez pas. C'est juste que le terrain il est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas. Prochaine fois, ça va bien se passer. Votre joker, vous l'utilisez dimanche dernier. À partir de maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. Aujourd'hui, il y a le soleil. Le terrain il est plutôt pas mal. Un peu dur, mais plutôt pas mal. On n'a pas d'excuses.
On sort d'une défaite face à Garville à Arnouville, donc il faut absolument rebondir bien sûr. On est sur Saint-Thé, c'est les terrains qu'on aime plus particulièrement on va dire. On espère vraiment rentrer vite dans le match comme d'habitude, essayer de marquer rapidement. Match de terrain assez petit, donc je pense que les efforts vont être assez intenses. Il n'y aura pas vraiment de pause dans le match, ça va être assez dynamique. Donc voilà, et je pense que Max, juste derrière moi, qui passe comme si qu'il avait rien vu, a fait une super équipe. Là. Non, je pense qu'il a fait une très bonne équipe, on l'a vu, il m'a montré un peu le line-up, et je valide. Donc la win. Hein. Ah là, on n'a plus le choix là. C'est une concentration inhabituelle, tout le monde est concentré, il y a de l'exigence, c'est pro. Je pense que ça va être un très bon match. Vu la contre-performance de la semaine dernière, on a envie de bien faire. Hein. La semaine dernière, c'était vraiment... On aurait pu éviter la défaite, et donc aujourd'hui, il faut qu'on rectifie le tir. Il faut la victoire tout simplement. Il faut les 3 points aujourd'hui, il n'y a pas de mystère. Et je vous préviens, je ne veux pas vous voir jouer à la baballe derrière. Parce que des buts de gag comme ça là, ça devrait pas nous arriver. Hein. Ça devrait pas nous arriver. Hein. Donc si c'est dangereux derrière, on pète. Allez messieurs, okay, allez, Pikachu. Allez. Maintenant, c'est parti. Donc, ce match de championnat entre Carrière Résignon en vert et KFC en blanc. Fabio avec son beau brassard jaune va poter tête, l'autre tête, c'est Emir qui va venir au centre. J'ai perdu ce ballon. Perdu, Résignon qui peut repartir, voilà, un beau retour d'idée, la tête, voilà. Et Chris qui récupère le ballon avec Mathias Dylan, sa patte gauche. Cherche Chris côté droit. Touche. Là, on me dit une touche en faveur de Carrière. Des verts. Merci. Allez,
Le 10, il faut arrêter de le laisser faire la passe à chaque fois. Dès qu'il reçoit la balle, c'est transversal sur le petit 7 qui est impossible à défendre, je le conçois. Parce qu'en fait, il va trop vite, il est trop vif. Et pour un gabarit comme le tien, si tu touches, c'est faute. Moi, je peux pas le faire. On est d'accord. Vous attendez le dernier moment pour aller chercher le ballon. Le pressing, il se fait sur le temps de passe. On vous l'a déjà dit. Au moment où il fait la passe, le ballon, il va. Là, vous allez chercher le ballon. Attendez pas qu'il l'ait dans les pieds pour aller le faire chier. Les gars, les 6 au milieu, vous cachez pas sur les temps de passe. Parce qu'après, nous, derrière, on est obligé de péter. Ouais, avec Max, avec Mastias, après, on se prend la tête sur des futilités. Parce que sur les temps de passe, au milieu, on n'a rien. Soit vous cachez derrière un joueur, soit vous êtes trop haut. C'est-à-dire, soit décrochez-vous ou mettez-vous dans l'intervalle entre deux joueurs pour demander le ballon. Parce que sinon, on va faire que péter. Ça va être frustrant pour tout le monde. Ouais, je suis d'accord, il y a des matchs comme ça, mais là, il faut essayer de, au moins de jouer un minimum. Les gars, je vous l'ai déjà dit. Ça sert à rien. Si on joue à droite, il faut que celui qui est à gauche, il resserre dans l'axe pour faire un deuxième attaquant. Quand on joue à gauche, il faut que l'autre, il resserre de l'autre côté.
Les gars, si chaque fois on a deux mecs là-bas, c'est cool, hein. Ils vont vite, je suis d'accord, hein. Tu vas lui mettre une balle, deux balles, trois balles, quatre balles. Eh frérot, c'est pas une mobilette, hein. Normalement, lui, c'est un humain, hein. Mais j'en ai marre qu'à chaque fois qu'il y en a un, quand Mastias et les mecs au milieu se retournent, soit ils sont obligés d'envoyer un parpaing devant, soit de revenir en arrière. Et là, avec le. Et là, il n'avait pas joué tout seul, hein. S'il fait 4-5 touches de trop, les gars, il va se prendre un parpaing. Et c'est pas le but, parce que là, ils vont chercher que ça, hein. Avec un truc jaune. Abdel, joue le ballon.
faire aujourd'hui ou quoi? Hein? Là, je vais te lui faire. Ah, t'es blessé. Moi, je tiens juste à dire, on très envoie bien. Un message. Très bien. Très bien. C'est-à-dire, premier clean sheet de la saison. Non, on a déjà. Il y a des choix. Tout est clair. Tout est clair. Regarde, c'est moi, on est parti à la guerre, wesh. Oui. T'es moi. Oh là là. Il s'est passé quoi? C'est le sang de qui, ça y est? Bah, c'est le sang de... du défenseur à côté. C'est ah très là. Bien, c'est très bien. C'est très bien, un très beau match. Après Garryville, ça fait du bien. Ton premier but, voilà, je pense. Et messieurs, s'il vous plaît, quel coup franc! Mais quel coup franc! Ah, c'est une ma gueule. J'espère que Georges, il a vu ce que j'y vais, ouais, j'y vais, en cul. J'ai laissé. Mais pourquoi il est violent, lui? Mais non, je vais tous les mettre. Si tu rates, non, voilà, je te boum deux fois, mais c'est bon. Deux fois, mais c'est bon. Non, par contre, sache que Arthur, juste avant, me dit Max, regarde le but. Et là, tu frappes. Et effectivement, j'ai le but. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts.